Oh! Oh les fumiers! Attends, est-ce que ça marche déjà? Normalement, ça devrait marcher. Oh! Oh fumier! Janisa est vénère, il se transforme en super guerrier. Attends, bon, déjà, est-ce que ça marche? Oh! Oh le corona! Oh fumier, va! Attends, ça marche ou pas là? C'est un live. Oh, ça marche! Live corona! Oh fumier! Attends. Oh les fumiers! Oh là, ça y est, il y a du drama ce soir là! Oh! Vous avez entendu? Enfin, on va en parler, on va en parler. On va rigoler, vous allez voir, on va rigoler. On va en parler. Oh, oh j'espère que vous êtes chaud. Ici, non? Si, attends. Alors, les escrocs. Hop, comme ça, comme ça. Voilà. Oh Spartak fumier, Morgan des Glingos. Bon voilà, j'espère que vous allez bien. Hein. Bienvenue sur mon live. Hein. C'est mon live. Ah ouais, c'est Spartak, voici mon invité mystère ce soir. Il y en a beaucoup qui confondent. c'est ma chaîne. Mecs, c'est ma chaîne. Du coup voilà, on est avec Spartak pour se rogner. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Et là, avant que j'en sois live, putain, il y avait eu des péripéties. Ah. Oh. Donc voilà, on va en parler. Forcément, c'est rigolo. Quel il faut qu'on beau en mec parle. Ce Spartak. Bah ouais, en les gars. Premier, ouais. Regardez en plus. Fumier. Je suis là, moi, les gars. Il est fier. Alors, c'est Jackie qui me l'a offert. Ouais, on l'avait offert à Bastak Jojo, je crois. Qu'on l'avait offert, un magnifique t-shirt. Alors, dites-moi si la musique est trop forte ou non. Je pense que là, c'est pas mal. C'est pas que super. Oh, c'est bon, vous avez pas commencé avec ça, les mecs. Hein. Oh, parce que. Bah, mais de toute façon, vous avez fait quoi de créatif autour de vous hein vous avez critiqué là, mais. Là, vous le butueriez. Ah là là, Spartak fumait un bébé au fumier, ouais. Ah. Bon, oui, alors on va en parler, hein. On attend que les gens ils arrivent un peu, qu'ils se connectent. Parce que là, ça va être intéressant forcément. Oh. Vous êtes des vilains pas beaux, non? La musique est forte, t'es nul. Ah, la musique est trop... Attendez, j'ai baissé un peu. alors, la musique. Alors juste avant le live, t'avais Giovanni qui était en live. Je suis deck parce que j'espérais qu'il reste en live jusqu'à mon début de live. Comme ça, on aurait raid Giovanni. Mais non, il a été... il a arrêté ses lives entre temps. Alors ouais. Je vais quand même surveiller de temps en temps si il refait un live. On ne sait jamais, je pense qu'il y a moins qu'il en fasse un. Giovanni la légende. Ouais, Giovanni la légende. Ouais, du coup, regarder Giovanni avant le live et tout, c'était trop drôle. À un moment, il a dit je vais prendre des couteaux de boucher, je vais vous arracher la gorge. Il disait ah, il était vénère, il était vénère. Bravo. Alors, elle voulait le cas, j'ai pas compris. Ah non, je suis pas sur le bon chat. Parce qu'en fait, en parallèle, je suis sur le live ouais. De Teddy. Ah oui, je me disais bien, je comprenais plus là pourquoi il parlait de. Je comprenais pas de quoi il parlait là. Bah ouais, gros. Spartak supérieur à Jackie plus Caro est égal que. Oh. Ah bah y'a la Caro. Ah. On irait lui faire un petit bonjour ce soir si elle est là. Passé avec Caro. Tu connais pas Caro? C'est une youtubeuse avec son gars, tu sais, une fois je l'avais raid. Ah ouais. Et j'étais rogné, je voulais l'inviter au McDo. Elle est amoureuse de moi d'ailleurs Caro. Ah celle ouais. Du son mec qui t'a clashé là. Ouais ouais. Donc il était vénère, il me cherchait après. Alors j'ai mis une nouvelle musique et une nouvelle image pour les donations. Voilà, je dis ça pour que vous fassiez des dons. Hein. Ouais. Il y avait Pia en live qui rage contre Teddy. T'as vu? Oui, on va en parler, mais j'attends que les gens ils arrivent. Oh, voilà, on va faire un débriefing. Hein. On va parler de l'actualité. On va pas non plus clasher. Moi aussi, vous aussi, on va clasher. Bien sûr que si, je rigole. bien sûr que si. Alors ce soir, nous, par contre, juste avant, on se cogne. Oh. Moi, j'ai pris du vin. Oh. Alors j'ai pris un chinon. Et un coteau bourguignon. C'est la grande dégustation. Ouais, moi j'ai pris du vin blanc vu que je suis un PD. Voilà, on y a est un petit Riesling. On est chaud. Voilà, du coup, bon, rassurez-vous, Spartak a quand même du sirop soir. Du sirop de pêche qu'il a ce soir. Ouais, ouais. Parce qu'il a la pêche ce soir. Je vais peut-être me faire un vin blanc pêche, gros, sirop de pêche. Ah, c'est que ça va ensemble. Hein. Ouais. Ça va ensemble. Hein. Ah, ouais, ouais. Un bon cocktail. Ouais. Hein. Je vais le goûter. Un bon cocktail. Comme ça, et puis, Cheval blanc. Goûte ou quoi? Tu raides des enfants, il a dit. Non. Goûter le fumier. Yo Jackie, Spartak, Gorette, Teddy dans une heure. On verra. On verra au finig, les mecs. Déjà, il faut quand même qu'on débriefe de l'actualité parce que là, il s'est passé plein de trucs aujourd'hui, c'est fou. Alors, je sais pas, j'ai pas toutes les informations, mais on va en parler ensemble. D'Alsace, ça va. Voilà, j'attends juste que tout le monde soit bien là. Hein, et puis voilà. Bon, c'est quoi? En attendant, on va servir un petit verre. Nous allons goûter ce doux cépage. Je vais commencer par le chinon.
Il a une robe parfaite. Ce côté fruité. Ce côté... Hop. Alors on va peut-être même faire tout de suite un petit truc quand même, avant que ça commence réellement. Hop. Je vais vous demander un service, les fumiers. Je vais vous demander un service. Je vais vous demander un service. Ce soir, j'ai mon ami qui ne va pas très bien. Je parle pas de lui parce que c'est pas mon ami. Hein. On peut aider, va. Non, ce soir, je sens que... bah vous le savez tous, Teddy Boy, c'est un gars que j'adore, que c'est... il m'a beaucoup aidé, je l'ai... on s'entend très bien, on s'aime, hein, il faut qu'on se le dise. Et ce soir, il a pas trop le moral parce que il s'est passé des trucs. Et du coup, j'ai un service à vous demander ce soir. Je veux que vous lui distribuez de l'amour. Parce que certes, on aime bien troller, mais il faut aussi distribuer de l'amour des fois. Arrête, gentil. Et je veux que vous allez sur le live de Teddy et que vous l'encouragez, qu'il soit chaud, d'accord? Voilà, encouragez-le, les fumiers. Je vous ai mis le lien dans le chat. Allez, soyez gentils avec lui. Ah. Regardez, on va mettre en direct même pour que on voit si sa réaction. Hop, alors attendez, bim, voilà. Tu poses une question, on a reçu une jeune fille juste avant toi. Alors. Qui s'appelait Roland, non? Hein? Ouais, je plaisante. J'ai écrit on t'aime, Jackie. Lâche-toi. Voilà. C'est troll, c'est troll. Allez, on l'aime. On l'encourage, les mecs. C'est bien. Ouais, mais... Ah, parce qu'il a reçu des coups durs et tout, c'est pas cool, donc je vais le soutenir, les mecs. Ah. Voilà. Alors, donc... j'ai fait beaucoup de rap, moi aussi, à une époque. Allez, ah, allez. C'est vrai? Non, on t'aime, Teddy. Voilà, c'est bien. Après, je sais pas s'il verra dans le chat qu'on l'encourage ou non, mais c'est pas grave. L'essentiel, voilà. Et on n'est pas ce genre de mec, comme on l'a dit tout à l'heure. Bref. Mais laissez-moi. Donc, j'ai reçu une jeune fille, mais tu dis. Oh, y'a un don. Merci Piaban. En fait, le ban de Pia. Oh là là. On va en parler, on va rigoler, vous allez voir. Ça, qui avait l'air de débuter dans la géopolitique, elle se demandait si tout le monde était corrompu, si la droite et la gauche s'entendaient. Je sais pas s'il a vu. Bon, je pense que voilà, ça suffit. Ah oui, puis un arabe. Bon, j'espère que ça suffit. Bon, voilà. Allez, je remets bien. Voilà. Du coup, merci beaucoup pour ton don, Piaban. Bah, tu sais quoi, pour ton don, je vais faire un cul sec de vin. Non. Moi, je vais d'abord faire une gorgée pour le goûter. Et après, je ferai un cul sec. Pour fluidifier le gosier. Voilà, c'est ça exactement, Spartak. Tu as trouvé les mots justes pour me séduire. Alors, attendez. Oui, c'est du vin. Ça suffit d'être gentil. Oui, c'est bon, stoppez tout maintenant. On arrête d'être gentil. Redevenez méchant. On a dû acheter de la pelure d'oignon, c'était pareil. Hein. La pelure d'oignon. Faire des cul secs ou de la villageoise. Ouais. Alors là, on dirait que j'ai un peu les yeux rouges à présent sur l'image, mais j'ai pas des yeux rouges en vrai. Est-ce que j'ai les yeux rouges là? Non. Peut-être le coronavirus. Hein, j'ai le coronavirus, les mecs. Bon, allez, du coup, moi je fais un cul sec. Est-ce que tu fais un cul sec avec moi, Flip? Allez, vas-y. Attends, allez, hein. Alors lui il boit du vin blanc, montre-moi ce que tu bois du coup, montrer, pour les connaisseurs. Voilà. Riesling d'Alsace. Yes. Allez, du coup, attention, on va faire le premier cul sec de la soirée. Allez. Attends, 3, 2, 1, cul sec, cul sec, pompe les pattes. Ah. Oh putain. Ah, oh, c'est pas la même, hein! C'est pas la même! Pas la même qu'avec des bitches, hein! C'est dégueulasse! Voilà, du coup, ça revigore, hein! Ça je vais mettre du sirop, moi! Santa qui est beau ce soir, il a meilleure mine que d'habitude! Ouais, parce qu'il m'a sucé la bite juste avant le live! Du coup, il est en forme, là! Ça y ramène son meilleur ami, là, Spartak! Bon, allez, du coup, on va passer aux choses un peu sérieuses, là. Alors, il s'est passé des dramas, là, ce soir. Je suis pas au courant de tout, donc vous allez m'aider à avoir des informations. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais... Alors, non, ce que je sais, on va commencer par le début, quand même. Nul le live, 1 euro. C'est qui le gars à côté de toi, Spartak? Oh, le fumier. Nul le live, le pseudo, putain, j'hallucine, quoi. Mais alors, bon... là, Pianezat, je crois qu'il avait fait un live ou une vidéo, je sais plus, où il parlait de comme quoi qu'il s'était fait bannir de Utip et de Twitch. Ah. Alors moi, pour le coup, j'ai envie de lui dire,
Je te soutiens là-dessus parce que c'est pas cool, je sais ce que tu dois endurer par rapport à ça. T'as mis beaucoup sur Twitch et Ulu et Utip, donc je peux te comprendre que ça fait chier, moi je suis passé par là aussi. Ah. Donc là-dessus, ben voilà, soutien malgré tout quand même, hein. Soutien malgré tout. Après, du coup, il y a eu le live de Teddy. Je ne sais pas ce qui s'est passé dessus, mais Pianizza et Teddy se sont clashés entre eux. Enfin, non, c'est plus Cro-Blanc, je crois, qui a clashé Pianizza. Ou un autre gars qui était sur le live. Aidez-moi hein, si je me trompe. Je vais pas donner de fausses informations. Hein. D'accord. Du coup, il y a eu du clash. Il y a eu du clash. Et à la suite de ça, Pianizza a lancé un live où il clashait tout le monde. Hein, genre, enfin, tout le monde. Il clashait surtout, je crois, Teddy Boy, hein, clashé, Cro-Blanc. Et moi. Alors que j'étais pas là, tu vois, j'avais rien fait. Mais si, t'as mis un com à un moment, non? Je sais plus. Bon, si, je l'ai juste mis dans son live, j'ai dit c'est un micro XLR que tu utilises. Ah, voilà, ouais. C'est pour la petite blagounette. Hein. Ah. Et du coup, oui, il a clashé ben, tout le monde, même moi. Alors que j'avais. Ouais, merci, Zeter Sane. Let's go run, fumier. On va... Let's go run. Vas-y, je vais refaire un cul sec après pour toi. Ah. Oui, après ma ban, hein, bien sûr. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Hein. Et du coup, voilà, il m'a clashé. Alors, je n'ai pas compris encore une fois pourquoi il m'a clashé. J'avais rien fait de mal. Donc, c'était encore à base de. Oh, t'as ce Cassos qui fait des ivrognes, qui fait rien. Et puis, lui, il disait comme quoi que lui, il apporte quelque chose à YouTube en gros, que c'est un artiste, patati patata. Et que nous, en fait, même en parlant de Teddy, hein, au début, il disait il apporte rien à YouTube, il disait. Il apporte rien. Alors, déjà, Teddy. Il me semble pas qu'il ait dit un jour que c'est un artiste et que son but c'était je sais pas quoi je sais pas trop quoi ce qu'il voulait dire. Je pense que Teddy il a toujours eu comme ambition de d'apporter un peu de culture ou de choses comme ça sur YouTube. C'est ce qu'il fait, il le fait très bien, pas de problème là-dessus. Donc le clash des ours, ça je ne vois pas trop l'intérêt hein, pour le coup, je ne vois il pas trop pourquoi. Il était excité hein, Pianita. Il était légèrement excité là, ouais, un peu. Un mort. Il était un son peu... chat derrière, il avait peur, oh, ouais. Qui quoi? Il avait un chat derrière lui. Ah bon? Ah, j'ai pas vu. Ah ouais. J'ai pas vu. Oh. Et du coup, voilà, après, il a aussi clashé Cro-Blanc. Alors, moi, il clash Cro-Blanc, quoi qu'il a besoin de. Je sais pas quoi. Oh, merci, Biello, pour tes 3 euros. Spartak a maigri de fou avec une perruque, je lui bourre le cul, direct. Oh, baiser, va. Ah, t'as maigri, t'as bien perdu combien, enculé. J'ai perdu 10 kilos. 10 kilos ouais, ah, il compte gars, souvent hein. Le Spartak. Hey. Hein, du coup, il a aussi. Alors, Pianizza a clashé Cro-Blanc comme quoi que, soi-disant, il rappait Max, c'est un. Ah, voilà, patati patata. Moi, je bon, moi, je trouve que Cro-Blanc il rappe plutôt bien. Hein, moi, je sais ce que c'est de rapper. Bon, je suis un très grand rappeur, hein, c'est pour ça que je me permets de pouvoir juger plus efficacement les autres rappeurs. Hein, je suis un bon rappeur. Spartak bof, hein. Non, mais en tout cas, oui, il a clashé aussi Cro-Blanc. Alors, il a parlé aussi d'un mec juif. Dans le live de Teddy, alors est-ce qu'il parlait de Cro-Blanc, je sais pas s'il est juif Cro-Blanc. Je sais pas. Mais bon bref, tout le monde en a pris, alors voilà. Moi j'ai plus la pression, alors pour le coup en conclusion finalement, c'est que Pianizza il est surtout ultra énervé qu'il s'est fait ban de Twitch et de Utip. Et du coup il se défoule un peu sur tout le monde là. Il se défoule sur tout le monde. Mais c'est pas bien de faire ça, hein. C'est pas bien. Moi je vais pas l'insulter ni rien parce que... J'en ai pas envie tout simplement. Mais voilà, hein, moi Pianizza je te le dis, c'est pas très gentil à ce que t'as fait ce soir. Hein. C'est pas très t'es gentil. T'es méchant. Moi j'espère que demain tu feras une vidéo, que tu présenteras tes excuses envers Teddy, envers mon Cro-Blanc, je pense que c'est mort. Et envers moi aussi parce que moi j'étais pas méchant non plus. En plus moi, il se moquait des live rogne. Ouais, il s'est moqué des live rogne, alors ça. Enculé, va. Bah. Moi ça me plairait pas à ta place. Hein. Ah ouais. Il est jaloux parce que c'est pas lui qui a lancé le mouvement. Ouais. tu veux le rencontrer pour lui dire... Attends. Pia Ban qui refait un don de 5€. Pia, l'artiste raté. Bah, j'ai pas envie... Non, on va pas dire que c'est un artiste raté. Attention, on a tous une forme artistique en nous, je pense, quand on est créateur sur YouTube. Mais il y en a qui vont plus parler à d'autres. Hein. Ceux qui jouent à Fortnite, il y en a, ils vont dire que c'est des artistes. Nous, on va trouver que c'est pas des artistes. Pareil pour Pia, pareil pour moi. On peut pas dire ça non plus, j'ai pas envie de dire ça en tout cas de Pierre. Moi j'en sors, je suis de bonne humeur, j'ai pas envie de l'insulter là, rien du tout. Moi en fait je comprends ce qu'il a enduré par rapport à Twitch et à Utip. Parce que Utip c'est des AGW, hein. C'est des fumiers Utip. C'est qui en dessous du logo de YouTube?
C'est où ça? Je sais pas. J'imagine qu'il parle de moi encore. Ah ouais, au-dessus du logo YouTube, ouais. Ouais. J'ai dit, te cherche, il est vraiment vénère. Oui, ouais, oui, il est vénère, hein, écoute. Hein, quand tu fais un taf comme vous, il faut savoir accepter la critique, Jackie. Ah bah là, moi, attention, je m'en fous. Hein, bon, moi, celle-là, ça m'a fait rigoler. Hein, je pense que ça se voit que ça me fait rigoler, hein, le truc-là qu'il y a eu. Moi, vous savez, en plus, vous avez vu, ma chaîne, elle a été renommée. Maintenant, c'est plus Jackie l'Espoir, c'est Jackie le Drama. Parce que vous savez qu'il y a souvent des dramas autour de ma chaîne. Et il y a un mec en commentaire, il m'a dit « Ah bah, vu qu'il y a souvent des dramas, t'as qu'à t'appeler Jackie le Drama. » Et je lui ai dit « Ok, je vais le faire. » Et puis, bim, j'ai mis Jackie le Drama. Oh. Pourquoi ils parlent tous d'une armoire gloriole? Ah bah c'est l'armoire là. Tu veux aller dedans? L'armoire gloriole. Ouais. Non, et puis du coup, ouais, bah Teddy, c'est que ce soir il a eu des trolls dans son live. Et en plus de ça, il a eu le pianista sur son dos. Du coup là, je sais que j'ai senti limite en train de craquer là, le Teddy. C'est pour ça là. Oh, 25€. Oh bah trop gentil, merci. Ah, c'est Hank Styler. Hank Styler. Bonjour, c'est la police, ça sera 135€ pour chacun de vous car vous ne respectez pas le confinement. Ah. Bon live à tous. Bah merci beaucoup Hans Tyler. C'est très 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 gentil, j'apprécie énormément. Du coup, où j'en étais moi? Ah oui, du coup il était vraiment au point de craquer là Teddy, hein, j'ai senti... Parce que vous savez que ça fait quelques temps que bah des fois il y a des trolls qui viennent sur son live alors qu'il aime bien faire ça, mais c'est que ça lui gâche un peu son plaisir. Et je peux le comprendre, c'est que c'est pas facile tous les jours. Et là, en plus de ça, pianista sur son dos, plus les trolls. Ouais, je peux comprendre que voilà. Ah, c'est là que tout à l'heure, il y a un troll qui l'a appelé. Mmh. Oui, oui. Voilà, c'était ça. C'est pas la première fois, apparemment, donc bon. Voilà, Teddy le sait, moi je le soutiendrai toujours. Ah. Et comme il m'a toujours soutenu aussi en plus. Hein. Teddy la légende. Ouais. Non, même il est extrêmement gentil, Teddy. Franchement, il y en a qui crachent en disant des saloperies sur son dos. Mais Teddy, il a toujours été là pour tout le monde, il essaye toujours d'aider les gens. Enfin, je sais pas quoi, il est chaud Teddy, hein. Toujours en train d'essayer de monter les gens, c'est beau quoi. Et c'est rare les mecs comme Teddy. Pour ça, moi, je lève mon verre pour Teddy les mecs, c'est tout. Hein. Il fait de plus en plus de viewers et malheureusement, ceux qui commentent sont souvent les moins intéressants. Oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit bonsoir, hein, les fumiers. Donc, coucou Escroc, coucou Père Braska, coucou Vendetta Kra, coucou... Hunter X1, coucou Bryce, truc. C'est vrai, il y a un peu de monde là, le soir. Lui, ouais, j'ai fait vite fait. Hein. Ça va. Alors, Spartak, il va jouer un jeu ce soir en live. Ouais. Je vous dis pas encore c'est quel jeu pour que vous ayez la surprise, mais ça va vous plaire. Ah, j'ai hâte de jouer. Hein. Ça va être rigolo, croyez-moi, ça va être rigolo. Je ne vous dis pas d'indice. Enfin, comme ça, vous aurez la surprise. Oh. Et moi, je propose un petit cul sec pour. Alors, j'ai plus le pseudo de celui qui a mis 10€ tout à l'heure, plus Hank Styler. Tu le fais avec moi ou pas? Warzone, bon, non, c'est pas. Non, ça sera pas un jeu relou, croyez-moi. Non. Ah, ça sera pas un jeu relou, croyez-moi. T'en fais un avec moi ou pas du coup? Ouais, mais gros, on va pas en faire un tous les 5 minutes. Non, après, hein. on boira normal. Vas-y. Là, c'est juste pour commencer efficacement. Allez, bon, là, c'est ouais. Comme si on buvait des bières au final, mais. Je veux pas rester longtemps. Hey, Scott, tu restes là. Tiens, dans ta gueule. Chin, les gars. Allez, tiens, en train. Coronavirus. Au corona. Au corona. Purgez-nous. Ils sont quand même le jeu à chier. Non, il sera pas à chier, croyez-moi. Non, il sera pas à chier, les mecs. Il sera pas à chier. Animal Crossing, il va jouer au jeu des PC. Non, t'es fou ou quoi? Je joue pas Animal Crossing. Spartak, peut-être, il y joue en cachette. C'est bien parce qu'on rote pas avec ça. Ouais, c'est vrai. Enfin, si, je viens de roter. Ouais, mais les petits. Ouais. Vous allez dégueuler avec le vin. Non, mais c'est que... Moi, le dernier live, ça m'a un peu traumatisé parce que je buvais de la bière et c'est que j'avais eu putain de mal au ventre. Ah ouais, fumier, ouais. Voilà. 1€. Nul le live, 1€. La qualité de tes vidéos... mais tu restes nul, Spartak supérieur. Ah, merci les gars. La qualité de tes... Là, je pense que c'était un compliment par rapport à mes vidéos, donc si c'était le cas, bah merci. Hein. Merci. Alors tiens, en parlant de vidéo, je vous avais parlé d'une idée de vidéo que j'avais eue en live, mais finalement, je vais pas la faire parce que j'arrive pas à trouver... Le truc qui soit hyper top quoi, ça sera pas ouf si je la fais cette vidéo. Regarde la bouteille de vin gros, en 5 minutes gros. Et puis bataille. Vire tes modos si tu rattaques pas Kartok la légende. Oh non, tu as pas commencé 1000. J'ai eu un différent avec Kartok, ça reste en privé, je vais pas étaler notre histoire devant tout le monde, hein, ok. Donc c'est bon. Hein.
Alors Kartok, je l'aime toujours bien, mais c'est juste que voilà, il y a eu, je le dirai pas plus. Est-ce que ta guiche noire a bandé quand t'as vu la dernière photo de Solveig? Oh là là, attends, je vais aller voir ça. Je suis amoureux de Solveig aussi. Oh tiens, j'ai pas Solveig. Tu connais pas Solveig? Non. Attends, bah je vais te montrer c'est qui Solveig. Alors elle m'a peut-être encore banni sur Twitter. Je crois que je suis banni hein, chez Solveig là. Qui Solveig? Attends, je vais aller sur un autre compte Twitter. Je vais te montrer c'est qui Solveig. Martin. Elle est trop bonne. Mais elle est raciste donc elle te voudra pas hein, Spartak. Alors elle est où? Oh, je la trouve pas, elle m'a banni sur tous mes comptes ta fumière, je suis deg. Bon bah écoutez, tant pis, c'est comme ça, elle m'a banni la petite Solveig. Je pleure. T'as pas une photo? Bah non, je suis banni de son compte. Tant pis, c'est pas grave. Alors attendez, c'est là, ok, là, voilà. Je t'envoie un screen sur Messenger, ah oui, vas-y. Vas-y, comme ça je vais montrer aux gens c'est qui Solveig. Oh. Et Caro, non mais si, je suis aussi amoureux de Caro, hein. Je suis polyamoureux, c'est ça qu'ils disent les gens qui ont des déficiences mentales. Elle est confinée avec son mec alors. Qui? Caro? Ouais, Caro, ouais. Ouais, bah ouais. Bah, elle pense beaucoup à moi, tu vois, elle est un peu deg. Elle doit bien se faire baiser là, cette année. Elle est un peu deg, elle pense beaucoup à moi, quoi. Putain, t'as beaucoup de meufs, Jackie. Ouais, bah ouais, je sais. Ouais. Je sais. Jackie, ton ex a pris les kilos que Spartak a perdu. Ah bah, oui, ça c'est possible aussi. Un fumier. Matt Furax est en live. Ah bah on va lui dire un petit bonjour. Allez, on va lui faire un petit bonjour à Matt Furax. C'est un youtubeur qu'on aime bien, nous. Et à chaque fois, quand il en live, on va sur son live pour l'aider dans son référencement. Ah ouais? Ouais, il est là. Ah, c'est celui qui t'insultait à un moment, là. Ouais, mais c'est pour rigoler qu'il m'insulte, hein. On rit même bien. Ah, maintenant, bien, c'est ton pote. Ouais, c'est même bien, t'inquiète pas. T'inquiète pas, il va être c'est content. C'est comme ça que tu fais pour draguer, en fait. Il va être content de nous voir ce soir, je pense. Il va être content. Ah, putain, ouais. Coucou, bébé. Hop. Allez, petit référencement qui fait plaisir, hein, des familles. On l'entend ou elle fume? Ouais, ouais, mais il parle pas, là, pour l'instant. Red Moon, il vit toujours ça? C'est vrai que c'est une bonne question, attends, on va voir. En attendant, allez aider notre ami. Hein. Ah ouais, il fait toujours des trucs. Hein. Ah ouais, je fais très peu de lui. Il joue à Warzone ou quoi? Je sais pas. Non, toujours sur Fortnite. Alors, est-ce que c'est Warzone ça? Non, ça c'est pas Warzone. Putain, mais je comprends pas les mecs qui restent sur Fortnite là avec Warzone. Bébé. Après, je pense que beaucoup d'entre vous sont bannis de son live. Hein. Mais oh, c'est pas grave, aidez-le dans le référencement au moins. Hein, faites du référencement. Ah oui, le lien, désolé. Ça a l'air trop pourri gros Fortnite. Quoi. Kartok, tu n'as pas eu le courage de m'appeler. On en parlera plus tard, Kartok. Monte tes pieds, bébé. Ouais. Ça commence. Alors, attendez. Voilà. Comme ça. Salut, je suis le 20ème dislike. Giovanni en live. Arrête, c'est vrai? Ah, je sais pas, il y en a un qui a écrit ça. Arrête. C'est là, c'est la fin. Mais non, Warzone, les mecs, c'est sur console aussi. Non, il est pas en live là. Console et PC. Non, il est pas en live en tout cas. Puis tu peux jouer en crossplay. Coucou bébé, tu joues super bien. Je t'ai mis un pouce pour te soutenir. Ne nous déçois pas. Hein? Salut, je suis le 50ème. Alors tout à l'heure, je l'ai lu ton pseudo, ça m'a fait rigoler. Golden Prolapse. Oh. C'est une parodie de Golden. Golden Ticket. Qu'il a dit le fumier. Salut bébé, t'as un modo noir. Tu connais l'histoire du modo noir? Non. En fait, on avait raid un youtubeur et on a dit qu'il était raciste et tout. Ouais. Et le mec, pour se défendre, il a dit je suis pas raciste parce que sinon j'aurais pas mis un de mes modos qui est. Ah ouais. Et puis après, il a dit de toute façon, j'ai pas à me justifier et tout. Il disait je suis pas raciste, j'ai un modo noir. Fumier. Je suis mis en pète ton modo. Non. Là, je sais pas s'il fait genre il voit pas ou s'il est vraiment concentré dans son jeu. Bon, en tout cas, je pense que les référencements lui ont fait plaisir. Quand il va voir ça, il va être. Ah, c'est bon, il va voir là. Là, je pense qu'il va être Furax là. Tu es content ou Furax? Puis il ban Twitch. Genre, il dit ça là-dessus.
Demandez-lui, tu penses quoi que Pia est ban de Twitch? Je sais pas trop qui les gars, ça bug complet. Demandez-lui, tu penses quoi que que Pia est ban de Twitch? Oui. Calme-toi, tu joues mal. Regarde le chat. Oh là, attention, il regarde le chat. Demandez-lui là par rapport à Pia si. Ah, j'ai pas vu. Ah, les vermines de retour, ça fait plaisir. Les vermines. Ah là là. Là. T'es broté du ou Pia? J'étais à fond dans la PP. Ouais, côté bloqué, bloqué tout ça. Hein. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Le retour des cancers. Ça allez, il y a 94 référencements, il faut au moins 100 les mecs. Hein. Et on relance la PP, la famille. C'est parti. Ah bah pour en live. Ah bah ah, ça, ouais. Ça fait plaisir de nouveau. De nouveau ces putains de cancers de MDR, merde. Ils croient que ça t'énerve MDR. Ah le mot. Oh putain. Ça se voit que s'il fait de sa... partie de sa communauté hein. T'as vu MDR, ils croient que ça t'énerve MDR. Ils croient. Ils croient. Ils croient. Toi aussi tu croivais. Ils nous regardent l'enculé là. Non je sais pas. S'il nous regarde, oh t'en penses quoi que grave, que Pianizza il est ban de Twitch. Bah attends, moi je suis rogné là gros. Arrête tes conneries. Mais de verre, je suis rogné gros. T'as vu, il a dit que ça lui faisait plaisir, il faut lui faire plaisir les mecs. Aidez-le dans son référencement. Plus l'habitude de boire de l'alcool là. J'aime bien, ça fait plaisir mais il banne quand même. Oh. Tu croives. Tu crois. Nous croivons, vous croivez, ils croivent. C'est un mec tellement sa vie c'est de la merde et ça nous arrête les autres. Je crois, tu crois, mais tu crois. Des dislikes avec des bots et tout genre de crois-vous, ah vous êtes encore des bots les mecs. Cancer, tu vois, et il parle des néo-nazis. Ah des néo-nazis. Mais je crois qu'il t'aimait bien gros. Bah il aime bien.